Kadidiatou ne s'est pas présentée à l'examen. Pour elle, la formation s'arrête là. Pendant toute cette semaine, je suis restée allongée à la maison pour me reposer. Je prends mes médicaments seulement, je m'allonge ici, je reste avec les enfants au salon. Ça. Elle sait à présent pourquoi elle est si fatiguée. Tu ouvres bien la bouche. C'est enceinte accidentellement, donc et je préfère garder. Donc, bah, c'est mon choix. Kadidiatou a décroché de la formation, mais elle a quand même réalisé une partie de son rêve. Aujourd'hui, elle peut recevoir qui elle veut et dépenser son argent comme elle le souhaite, surtout pour faire plaisir à ses enfants. Problème, elle a tout flambé. Ça là, c'est la table à manger que j'ai achetée. J'ai acheté la grande télé parce que c'est les enfants qui aimaient la grande télé. J'ai acheté le canapé avec la petite table basse. Tu as le droit de gaspiller ton argent comme tu le fais. Sauf que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de gaspiller, mais tu as le droit de gaspiller comme tu le souhaites, sans que quelqu'un est là pour te surveiller, pour te dicter. Ça me donne de l'envol. C'est comme si je suis en train de planer, quoi. C'est comme un rêve d'enfant, quoi. Je fais tout ce que je veux. Parce que c'est mon argent, ce n'est pas l'argent de quelqu'un, c'est mon argent. Et alors vous allez faire comment pour payer votre loyer? Bon. Payer les charges? Bon, heureusement, avec les assistantes, il y a des aides, il y a de tout partout. Hein, donc, même si ce n'est pas Kadidiatou qui paye, mais ça va se payer. Donc, ça ne m'inquiète pas.